Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Oléana Medium. Alors aujourd'hui, je vais vous faire le tirage du jour du mercredi 22 juillet 2020 avec, et comme toujours, le jeu de 32. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Il y a le 10 de trèfle qui vient de se retourner. Il voulait parler, donc ça va nous parler d'argent. Donc pour celles et ceux qui sont dans une attente d'argent, donc là, le 10 de trèfle, c'est quand même une somme importante. Allez, il y en a une deuxième. Et voyez, c'est confirmé, vous allez avoir des nouvelles d'argent, peut-être somme d'argent que l'on vous doit, ça peut être soit un héritage, ça peut être tout ce qui est lié à la santé, les indemnités, ça peut être, concernant une procédure. En tous les cas, il y a de l'argent qui arrive pour ce mercredi 22 juillet 2020. Ensuite, pour ce mercredi 22 juillet 2020, 22, donc ça fait 2 et 2, 4, ça va être aussi une journée de blocage, de restriction. Ça peut nous parler de travail, d'efforts à fournir. Ça peut être aussi tout ce qui est petite discussion vive avec des gens autour de vous, dans le foyer, dans la maison. Mais en tous les cas, on vous dit que c'est une année, une journée, où il va falloir remonter vos manches. Donc, ça peut être aussi concernant le travail, hein. On peut vous parler de travail, de projet de travail, ou avoir plus de travail à fournir. Là, il y a le 7 de pique et le valet de cœur qui viennent de tomber. Donc, avec certitude, vous pouvez avoir des nouvelles de votre meilleur ami, bah, décidément. Oh, oh, magnifique. Là, regardez, nous avons donc des nouvelles, hein, de toute façon, avec certitude, soit d'un meilleur ami, d'un fils ou d'un frère. Et là, on nous parle de réussite pour un couple. Donc, ça peut nous parler. Alors là, c'est magnifique. Hein, c'est très rare, hein, quand vous avez ces trois cartes-là, hein, dans un tirage, l'une à côté de l'autre, même quand les cartes sautent. Hein, donc, ça parle. Et ça nous parle de quoi? Ben, d'un homme, d'une femme, d'un couple. Et il y a la réussite. Et pourquoi pas un mariage dans l'air, hein. En tous les cas, il y a une union. Il y a un projet de mariage, d'union, d'association. En tous les cas, c'est positif. Allez, on y va pour cette coupe. Ça nous parle, on retrouve ce 10 de trèfle. On nous parle de dame de cœur. Donc, cette dame de cœur, ça peut être votre fille, votre sœur, votre meilleure amie. Peut-être qu'il vous doit de l'argent. Peut-être qu'elle va vous demander de l'argent. Ou c'est votre fille, votre sœur, votre meilleure amie qui va recevoir une somme d'argent qui est en attente. Et elle va vous en parler. En tous les cas, c'est positif. Mais c'est bien, le 10 de trèfle ressort. Donc, c'est confirmé. Il y a de l'argent dans l'air qui arrive, hein, pour certains et certaines. Donc, c'est plutôt génial. Allez, on y va. Tirage à 13 cartes. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Allez, on a nos 13 cartes. Ça nous parle quoi? De signature pour certains et certaines. Ça peut nous parler de signature de contrat. Donc, comme on parlait avec ce 22 juillet 2020, pour ce mercredi 22 juillet 2020, ça peut nous parler de travail, hein, signature d'un contrat. Hein. Ça peut être un travail où vous allez peut-être fournir beaucoup d'efforts. On va peut-être vous appeler la rescousse, hein, pourquoi pas. Allez, on y va, vous les voyez toutes, c'est parfait, on y va. On ressort le valet de cœur qui était tombé tout à l'heure avec le 7 de pique. Donc là, valet de cœur, des nouvelles concernant un fils, un meilleur ami ou un frère. Peut-être que vous allez apprendre que votre fils, votre meilleur ami ou votre frère va signer un contrat. Qu'est-ce qu'on a derrière cette as de pique en dos de deck? On a une signature avec un homme, donc il y a bien un engagement écrit avec un homme de cœur. Donc messieurs, vous mettez la dame à la place. En tous les cas, c'est un homme qui vous aime, mesdames, vous, messieurs, une femme qui vous aime. Et en tous les cas, il y a une signature de contrat. Donc, contrat de mariage, Pax. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est une personne avec qui, pourquoi pas, c'est un homme qui veut s'engager. Donc là, j'ai pas l'as de cœur. Mais en tous les cas, comme il y a la signature, on a l'argent derrière. Pourquoi pas acheter quelque chose, une maison. En tous les cas, on a cette dame de cœur. Peut-être que cet homme-là a une fille. Ou vous, éventuellement, vous avez une fille. Et on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Bon, là, c'est plutôt pas mal. Hein. Il n'y a aucune carte négative derrière. Allez, on continue. On a ce roi de trèfle, hein, qui revient. Hein. Donc là, on a vraiment un homme. Donc c'est un homme aussi que vous pouvez rencontrer, hein, vous, mesdames. Ça peut être vous, messieurs, le consultant. En tous les cas, il y a vraiment quelqu'un de présent, de dominant. En tous les cas, c'est un homme qui est vraiment... Alors, je ne dis pas dominant dans le sens négatif. On va regarder la carte derrière. Il y a quoi? Ah, si. C'est un homme qui a du caractère et c'est un homme dominant. Alors, on a deux cas. On a un homme. Vous pouvez rencontrer un homme ou une femme. Hein, vous inversez, messieurs, bien évidemment. On a un homme, là, avec ce roi de trèfle, qui... Alors, tout à l'heure, on avait ce roi de cœur avec cette dame de cœur. Comme je vous disais, c'est peut-être un homme ou une femme qui a un enfant, soit un fils, enfin, une fille. Et là, on ressort le valet de cœur. Donc, il y a deux cas. Hein. Soit que vous avez un homme avec qui a déjà un enfant, fille ou garçon. Là, vous voyez, ça présente
le garçon. Et là, si on regarde bien, vous avez un homme qui a une situation financière très bien et il y a une fille avec certitude, d'accord ? Soit que c'est un homme ou une femme qui a soit une fille ou un garçon ou les deux, hein, pourquoi pas, mais c'est, là, c'est vraiment séparé. Mais on vous dit que soit que c'est ce garçon, cet enfant ne va pas vous accepter, d'accord ? Ou soit, éventuellement, c'est pour ça que je vous dis, il y a deux cas dans ce tirage, ou soit c'est un homme qui a des mauvaises fréquentations ou qui est vraiment dominant. Pour moi, il n'est pas négatif en vous, hein, par rapport, vous voyez, il y a le dove de cœur. Donc là, il y a vraiment cet homme-là ou cette femme-là n'est pas négative en vous-même, hein, par rapport à vous. Elle est plutôt méfiante, elle est plutôt rusée, elle est plutôt, je ne dis pas dans le secret, mais elle ne va pas vous dévoiler tout. Hein. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, elle va être méfiante par rapport à vous, par rapport aux autres. D'accord ? Mais on vous dit bien que c'est un homme ou une femme qui a vraiment, il y a de la joie. Hein, d'accord ? Il y a vraiment de la joie. Et voyez, on vous confirme bien, c'est une nouvelle relation. D'accord ? Donc, pour les amis, mes amis célibataires, vous allez faire une belle rencontre. Soit qui aura cette personne-là aura déjà des enfants, soit un garçon ou une fille, ou éventuellement les deux, mais moi, j'y crois pas trop. Ça peut être le cas, hein, bien évidemment. Et il y aura soit un souci avec un des enfants, ça peut être aussi les vôtres, hein, que ce soit vous, mesdames ou vous, messieurs, ça peut être aussi vos enfants qui n'acceptent pas cette nouvelle relation. Parce qu'on a ce valet de pique, là, vous hein, voyez, il est au milieu, enfin, il casse vraiment ce truc-là. Donc là, honnêtement, pour moi, ça ne poserait pas de problème parce que cet homme-là ou cette femme-là va vraiment gérer le truc, d'accord ? On a une belle relation. Hein. Pour certains et certaines, on peut nous apprendre une grossesse. Vous pouvez avoir une nouvelle relation avec cet homme-là, mais en tous les cas, il peut y avoir des projets de bébé, d'accord ? Donc ça, c'est plutôt pas mal, regardez, projet. Vous voyez, ça sort tout seul. Hein. Il y a vraiment ce 10 de cœur qui est là. Il y a vraiment soit un projet de bébé. En tous les cas, il y a vraiment beaucoup d'amour. Hein. C'est un homme qui a du caractère, ou une femme qui a du caractère, mais qui veut vraiment s'engager et s'investir avec vous. Hein. Pourquoi pas un projet de bébé? Pourquoi pas signature, acheter carrément une maison, hein, ensemble, vivre ensemble. Hein. Là, on a vraiment du bonheur. Hein. On a cette jeune femme brune, hein, le 8 de trèfle, c'est une jeune femme brune. Ça nous peut nous parler aussi de petits profits et aussi tout ce qui est lié aux administrations. Donc peut-être comme on a cet as de pique, vous allez signer des papiers, hein, vous allez avoir des petites dépenses. C'est pas méchant, on vous dit que c'est bien vous, hein, d'accord. Donc ça, c'est bien. Vous voyez, ça ressort, hein, y a vraiment le couple là. On vous dit aussi pour vous, mesdames, de faire attention aussi à tout ce qui est point de vue santé. J'ai pas le 8 de pique, on va regarder. Là, c'est juste peut-être aller voir votre médecin, pour certains et certaines. On vous dit que vous avez la réussite par rapport à ce médecin. Ça peut être aussi un homme de loi, hein, pour certains et certaines. En tous les cas, s'il y a une procédure, il y aura une signature, il y avait le 10 de trèfle qui est ressorti deux fois, on va voir s'il ressort. Mais en tous les cas, il y a une réussite. Hein. Concernant une procédure, vous voyez, vous avez cette réussite. Hein. Tout ce qui est juridique, vous avez la réussite. Tout ce qui est médecin, tout ce qui est en rapport avec les médecins, vous avez la réussite. D'accord ? Et là, quand vous avez ça et ça, alors là, c'est magnifique. Donc, il y a vraiment ce projet. Et puis, avec le 7 de cœur au milieu, donc il y a vraiment un projet d'union. Il y a vraiment quelque chose de magnifique. C'est pas beau, ça ? Allez, on continue. Roi de pique. Donc, vous voyez, ça nous parle d'argent. Hein. Il y en a qui vont récupérer de l'argent. Hein. Là, il y a un gain. Hein. Il y a un gain d'argent. Hein. Ça peut être la vente d'une maison ou l'achat d'une maison. Mais en tous les cas, vous récupérez de l'argent. On vous dit sur du retard. Donc, ça risque d'être retardé. Et on vous dit sur du retard, il y a quand même des petits blocages. Mais c'est pas méchant. C'est pas méchant. Bon, alors, si je récapitule. Pour l'instant, on a bien une nouvelle rencontre. Si ce n'est déjà fait, c'est une belle et magnifique rencontre. Ça peut nous finir par un mariage. OK ? Ensuite, on vous dit le seul point négatif, c'est ce valet de pique concernant peut-être ce valet de cœur ou cette dame de cœur qu'on a vue en dos de deck, d'accord ? Mais en tous les cas, l'homme ou la femme que vous allez rencontrer, que vous venez de rencontrer, c'est la bonne, ok ? On vous dit que c'est magnifique, c'est bon. Allez, on fait des associations de cartes. On a quoi ? Eh bien, on a, et regardez, 1, 2, 3, 4, 4, 9. Là, vous voyez, je vois bien. Hein. Donc, tout ce qui est 4, 9, non, je vous taquine. Tout ce qui est 4, 9, c'est la bonne harmonie. Je vous dis, il y a du bonheur, là. Hein. Il y a vraiment du bonheur. Hein. Il y a vraiment la naissance de cette relation, peut-être, pourquoi pas un bébé. Mais en tous les cas, 4, 9, c'est la bonne harmonie, la réussite, et ça nous parle d'argent. Donc, pour les autres qui sont en attente d'argent, l'argent arrive, ok ? Donc, 4, 9, 3, 9, c'est vraiment lié à l'argent, ok ? Mais 4, 9, c'est la bonne harmonie et la réussite totale.
Ensuite, on a quoi? On a 1, 2, 2 rois. Je ne compte pas. 1, 2, valet, je ne compte pas. On a quoi? Donc, les 4, 9, c'est bon. Bah, après, il ne nous reste plus grand-chose. On a 1, 8, j'ai 1, 10. Ok. Bon, bah, écoutez, et j'ai qu'un 7. Bon, bah, il n'y avait que ça en association. Alors, ce que je vais recouvrir, c'est le valet de pique. C'est la seule personne négative. Hein. Une ou plusieurs personnes. Vous voyez, on a ce 10 de trèfle. Donc, faites attention. Peut-être que pour certains, il y en a qui vous doivent de l'argent. Mais faites attention, on va encore vous essayer de vous manipuler. Hein. Là, il y aura de la jalousie aussi concernant de l'argent que vous allez recevoir. Hein. Pour celles et ceux qui attendent la jalousie. Non, on ne l'attend pas, la jalousie, on n'en veut pas. Pour celles et ceux qui attendent une somme d'argent, faites attention, ne le divulguez pas. Hein. Il y a des gens qui sont là pour... Il y a vraiment de la jalousie, là. Hein. Alors, peut-être que pour certains, vous allez hériter, il y aura de la jalousie. Peut-être... Bon, là, j'ai pas l'as de cœur, on ne peut pas dire de la famille. Mais le valet de pique, c'est soit une personne... ou plusieurs personnes, soit un homme ou une femme, d'accord? Allez, on y va pour le tirage sentimental du jour du mercredi 22 juillet 2020. On va voir ce que ça va donner. Allez, c'est parti. Hop, on a la culpabilité, mais on a la joie. Donc, peut-être que pour certains, il y a un stress. Il y a peut-être des gens autour de vous qui vous culpabilisent parce que vous allez être heureuse. Mais là, ça nous parle plutôt de jalousie, culpabilité, parce que peut-être qu'on vous reproche des choses, mais vous vous dites... Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, hein, cette fameuse personne, et on va vous critiquer, on va vous jalouser ou on va critiquer l'autre, hein, votre personne avec qui vous aimez. Mais on s'en fout. On s'en fout. Allez, tirage en croix. Gauche, droite, en haut, en bas, et la réponse au milieu. Allez, c'est parti. Et on a, waouh, un coup de chance là qui va vous arriver. Coup de chance en argent, hein, voyez. Pour certains, vous allez récupérer votre argent. Hein, vous n'allez pas vous y attendre. Peut-être que vous allez recevoir une somme d'argent. Ça peut être une prime, ça peut être quelque chose que vous n'allez pas vous y attendre. Hein. Le coup de chance, c'est vraiment... Allez, on a la famille, on a la réussite en réponse. On a le bouclier, vous êtes protégé. On a, waouh, miroir magique. Bon, et là, franchement, que des belles cartes. Allez, on y va, c'est parti, mes amis célibataires. On a la carte du cadeau, donc il y a une belle rencontre qui va arriver pour vous. Et ça va être perçu comme un cadeau du ciel. Vous n'allez pas vous y attendre. On vous dit que c'est la réussite, un miroir magique. Ça enlève toutes les cartes négatives. Honnêtement, il n'y en a pas. Donc, c'est positif. Donc, vous avez le feu vert. On vous dit quand même, vous vous protégez quand même. Peut-être que vous avez des petits doutes, hein, mais vous êtes protégé. Quelqu'un de là-haut vous protège. Hein, la carte du bouclier, c'est on vous protège et vous êtes protégé, mais vous vous protégez à vous-même. Parce que c'est tellement trop beau, vous n'allez pas vous dire, mais c'est pas possible. On vous dit, il y a la famille. Peut-être que vous vous protégez par rapport à la famille ou la famille vous protège. Mais en tous les cas, c'est positif. Et on vous dit que la roue, elle tourne pour vous. Enfin, mes amis célibataires, vous avez la réussite concernant cette nouvelle relation. Et on vous dit un coup de chance concernant l'argent. Bon, c'est plutôt pas mal. Ensuite, pour vous, mes amis qui viennent de rencontrer quelqu'un, donc c'est perçu comme un cadeau du ciel, vous êtes bien avec cette personne-là, c'est peut-être une personne aussi également avec qui vous parlez beaucoup, qui est très psychologique, qui est peut-être ce côté un peu psychologue en lui ou en elle. En tous les cas, on vous dit que cette personne-là vous protège, hein, actuellement, et elle sera tout le temps. On vous dit aussi que la famille vous protège ou quelqu'un de là-haut, un défunt, vous protège également. Vous êtes protégé, peut-être que c'est ce défunt-là, hein, qui vous a amené cette nouvelle personne avec qui vous êtes actuellement, mais en tous les cas, vous êtes bien, on vous dit que c'est comme un coup de chance et vous avez la réussite, cette roue de fortune, ce changement positif pour vous. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple depuis un certain temps et que tout va bien, on vous dit que votre relation s'est perçue comme un cadeau du ciel, on vous dit qu'il y a de la bonne communication, il y a vraiment ce miroir magique, hein, comme je vous le dis à chaque fois, le miroir magique, c'est une personne, vous voyez, on voit la tête. Donc, c'est tout ce qui est ordre psychologique. On vous dit qu'il y a de l'entente avec votre homme ou votre femme. On vous dit que vous vous protégez mutuellement. On vous dit, par rapport à la famille, il y a une très, très belle entente, que ce soit avec les enfants, vos parents ou votre belle famille. Il y a la réussite et on vous dit, vous avez vraiment un coup de chance concernant de l'argent aussi. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple et que plus rien ne va plus, on vous dit que cette séparation, il y aura, elle va très très bien se passer. Hein. Quand vous avez un tirage comme ça, même si c'est négatif dans votre couple et vous voulez partir, on vous dit que c'est perçu comme un cadeau du ciel. Vous n'allez peut-être pas vous y attendre. Peut-être que vous avez peur de dire à votre conjoint ou votre conjointe que vous en avez marre, il n'y a plus d'amour, vous voulez partir. Et on vous dit de discuter, hein, tout ce qui est psychologique. Hein. La personne, pour moi, va comprendre. Vous êtes protégé quoi qu'il
arrive, une personne de là-haut vous protège, ou des gens autour de vous, hein, ça peut être la famille également, on vous dit que c'est bon, hein, vous avez la réussite pour ce nouveau départ, ce changement, on vous dit, vous avez cette chance-là, peut-être que vous avez peur de divorcer parce que vous avez des biens récupérés, et vous avez peur, et en plus, je n'avais pas vu derrière, il y a un homme, hein, un homme, une femme, en tous les cas, vous, vous récupérez vos biens, hein, il y a la maison derrière. Donc, c'est plutôt génial. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en triangulaire, on vous dit que cette personne-là s'est perçue comme un cadeau du ciel. On vous dit qu'il y a beaucoup de conversations. Il y a quand même tout ce qui est d'ordre psychologique. Donc, vous faites attention à ce que vous faites. Vous ne précipitez pas. Vous vous protégez quand même de cette relation à trois, hein, entre guillemets. On vous dit que la famille est là, sera heureuse pour vous. En tous les cas, il y a la réussite. On vous dit qu'il y a un coup de chance. OK ? Ensuite, pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex, on vous dit, eh ben, comme par magie, boum, on claque des doigts et la personne revient. Là, on vous dit que peut-être que justement, vous avez trop cogité, mais vous êtes protégé, quoi qu'il arrive, avec cette carte du bouclier. Donc, on vous dit peut-être, de, avant de reprendre, quand la personne va revenir, de communiquer, de converser, de savoir, voyez, tout ce qui est miroir magique, c'est la réussite, mais c'est tout ce qui était négatif en vous, vous allez le transformer en positif. On vous dit que la famille est heureuse pour vous, est contente pour vous. En tous les cas, c'est pour vous, vous recevez ce retour de cet ex comme un cadeau du ciel et c'est comme un coup de chance également. Eh bien, c'est plutôt pas mal. Eh, quand même, on va regarder avec Monsieur le Béline. Monsieur le Béline. Dites-moi tout, Monsieur le Béline. Oups. Oh, regardez, on a une belle union. Hein. Il y en a plein, hein, qui vont rencontrer quelqu'un. Hein. C'est pas possible. Hein. Allez, c'est parti pour ce mercredi 22 juillet 2020. On y va, on coupe. Oh, vous avez les honneurs concernant quelqu'un qui n'est pas bien. Vous allez peut-être avoir des nouvelles d'une personne, une mamie ou une maman qui peut-être a eu des soucis de santé. Là, ça repart sur le bon chemin. C'est plutôt pas mal. Allez, on y va. Tirage en croix. Hop, hop. Et hop. On a une personne pas bonne autour de vous. Hein. Quelqu'un qui a du tempérament, qui est dominant. Attention. Waouh, wow, magnifique. 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 Waouh. Wow. Eh, mais c'est... Et franchement, là... Eh, c'est pas beau ça? Carte de la protection, quelqu'un qui vous protège. On l'a ressorti tout à l'heure, hein, la, le bouclier. Hein. On a une protection concernant une passion. Vous allez rencontrer mais quelqu'un de bien, quelqu'un qui est beau. Ça va être une belle, un bel amour, une belle passion. Il y aura une naissance, hein, pourquoi pas un bébé. On l'a sorti, hein, n'oubliez pas, tout à l'heure, dans le jeu de 32, il y avait l'as de trèfle, la dame de trèfle, le roi de trèfle. Hein. Il y en a qui vont se marier, ils vont rencontrer quelqu'un de bien. Et, c'est, et je ne veux pas me lancer des fleurs, mais là... C'est magnifique. Honnêtement, c'est magnifique. Il y a quelqu'un qui vous doit de l'argent. Hein. Vous voyez, ça ressort. Hein. Mais là, vous avez la protection sur cette nouvelle rencontre, cette nouvelle passion. S'il y aura vraiment beaucoup d'amour, ça sera une belle passion, un bel amour. Il y aura peut-être un futur bébé. Et on vous dit la carte de l'élévation. Donc, peut-être nouvelle relation, élévation et la beauté. Franchement, c'est waouh, 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 waouh. Wow. Que des belles cartes. Génial. Alors là, voyez, vous allez récupérer de l'argent. Vous allez avoir du mal à récupérer de l'argent pour certains et certaines, mais vous récupérez. Hein. Ça va finir peut-être en procédure, peut-être que vous êtes en procédure, d'accord? Mais en tous les cas, on vous dit que cette personne-là ne va pas se laisser faire, mais vous vous en fichez, vous n'allez pas laisser tomber. Vous allez aller jusqu'au bout et vous allez avoir raison parce qu'ensuite, vous avez les plaisirs. Mais par contre, méfiez-vous, cette personne-là sera quand même méchante encore. Hein. Donc, méfiez-vous. Mais quoi qu'il arrive, vous récupérez cet argent qui vous est dû. Okay, donc, ça peut être lié à une procédure, lié à un divorce. Mais en tous les cas, vous gagnez. Mais en tous les cas, vous avez un beau... Franchement, c'est un beau tirage, hein, honnêtement. Donc, voilà les amis. J'espère que ce tirage du jour du mercredi 22 juillet 2020 vous aura parlé, vous aura plu. En tous les cas, il est excellent. Je vous fais plein de gros bisous. Alors, mille excuses. Je devais faire commencer les signes. J'ai pas eu le temps. Parce que c'est vrai que c'est pas évident. Mais promis, demain, je commence. Promis, demain, je vais avoir plus de temps. Donc, demain, je commence. Et bien sûr, avec le jeu de 32, avec le tirage à 15 cartes, parce que j'ai vu les commentaires, vous voulez. Donc, je prendrai bien sûr mon temps, enfin, mon temps, comme d'habitude. J'espère que ça ne sera pas trop long. Moi, je pense pas. Non. Mais je commencerai, bien sûr, je ne sais plus par qui je dois commencer. C'était le dernier signe du tirage général que j'ai fait. Je ne sais plus qui c'est. Mais donc, je commencerai par vous. J'ai oublié, je perds la mémoire. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Il faudra que je ferai aussi dès demain
Alors, ou sinon, si j'ai le temps ce soir, je le ferai ce soir, mais je vais peut-être le faire ce soir, comme ça, on n'en parle plus. Je vous ferai la signification de l'interprétation du tirage que vous deviez interpréter, c'était dimanche. Donc, c'était avec l'oracle des miroirs, je crois, il me semble. Donc, il me semble, ou c'est le Béline, je ne sais plus, je perds la tête. Donc, voilà. Bon, enfin, bref, je vais retrouver. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve dès demain, en tous les cas. Et dès demain, vous allez avoir tous les signes avec le vrai tirage à 15 cartes, ok? Donc voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, passez une excellente soirée et je vous retrouve à demain. Ciao, ciao, bye bye!